Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Experience. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Une nouvelle micro-série qui s'appelle « J'imprime pour vous ». Et aujourd'hui, quelle va être la thématique? La thématique, ça va être un pied ou un stand pour votre smartphone. Quand vous êtes à votre bureau, à la cuisine, je ne sais pas trop où, vous avez besoin de poser votre téléphone, votre smartphone, et ben, vous en avez marre de le poser sur le paquet de pâtes pour pouvoir regarder une petite vidéo YouTube pendant que vous êtes en train d'éplucher les carottes, ou alors, je sais pas trop, enfin bref, vous pouvez toujours bien sûr investir dans un gimbal comme celui-là, mais ça coûte cher, ça coûte 100 balles, et pourquoi ne pas s'imprimer, je sais pas comment on dit ça en français, mais un stand pour votre smartphone. Donc j'ai pris 5 modèles que j'ai trouvés sur Thingiverse et sur YouMagine. 1, 2, 3, 4, 5. On va les imprimer, les tester. Alors je les ai imprimés avec deux matières, avec du PLA blanc standard et du PLA bleu. C'était des restes de bobines que j'avais, avec un peu d'albumine. On va imprimer ça et on revient tout de suite. Alors on a imprimé ça, on a testé ça, et quels sont ceux que je vais rejeter directement? Le premier que je vais rejeter, parce qu'il est dur à imprimer, il est long et consomme trop de matière, c'est celui-là. Il est très très bien en fait, il est plutôt bien conçu. Alors j'en ai imprimé 3, il y a 2 qui ont foiré et 1 qui a réussi, entre guillemets. Et celui-là, je l'ai laissé parce que c'est ma fille qui me l'a piqué. Et je pense que ce que je vais faire en fait, c'est que je vais coller ces deux-là pour pouvoir faire un stand pour mon téléphone. Alors, quels sont les avantages de celui-là? Les avantages de celui-là, c'est que votre téléphone est plutôt plus haut, ce qui permet éventuellement de le brancher sur une source d'alimentation. Il est plutôt stable, aussi bien en portrait qu'en paysage. Il est en hauteur, ce qui veut dire qu'il risque de choper moins de merde. Le gros désavantage, c'est qu'à imprimer, il nécessite du support et il est super chiant. Celui-là, c'est sans doute celui qui est le plus simple à imprimer, qui consomme le moins de matière. Il est relativement stable, bien que pas plus que ça. Et donc, il va demander à être fixé quelque part. En mode paysage, aucun problème. Mais en mode portrait, il n'y a pas suffisamment de matière de ce côté-là pour supporter, entre guillemets, votre téléphone. Si vous l'imprimez et si vous le faites, pas de problème. Par contre,
soit en mode paysage, soit on le colle quelque part avec une surface. C'est un petit peu le même problème avec celui-là. Celui-là très facile à imprimer puisqu'on l'a imprimé comme ça. En mode paysage, pas de problème. Par contre, en mode portrait, le même problème, le pied devrait aller un peu plus par là parce que j'arrive à le faire tomber relativement facilement. Les deux qui restent et qui pour moi sont mes préférés sont ces deux-là puisqu'ils sont les plus stables. Il y a celui-là qui est vraiment, bah, comme on le voit, qui a un pied qui va très très en arrière, ce qui veut dire que je peux appuyer autant que je veux. Il va pas tomber, il est pas très gros, il est pas très long à imprimer, il est facile à imprimer puisqu'on l'imprime pareil à plat. Et son petit copain, qui lui aussi est extrêmement stable, qui a un avantage, c'est que j'ai deux espèces de crochets qui vont me permettre justement de pouvoir faire charger éventuellement mon téléphone. En mode portrait ou paysage, zéro problème. Celui-là, pas besoin de support. Il s'imprime relativement vite, relativement bien. Alors pour moi, c'est ces deux-là et celui-là. Si celui-là était plus simple à imprimer, ça marcherait très très bien. Si je devais en désigner qu'un seul, ce serait celui-là. Puisqu'il est stable, facile à imprimer, on a la possibilité de mettre un câble pour recharger son téléphone. Donc pour moi, le grand gagnant, c'est celui-là. Voilà, c'est à peu près la fin pour cet épisode de J'imprime pour vous. J'ai testé 5 mèches que je suis allé télécharger et que j'ai imprimé pour que vous n'ayez pas à l'imprimer. J'espère que cette petite série, elle vous plaira. En tout cas, moi, ça m'a bien fait marrer d'imprimer tous ces trucs et de voir justement quelles sont les contraintes. Alors, les contraintes de design sont particulièrement intéressantes. Il y a des choses qui me paraissent géniales et en fait, quand on les imprime, bah, c'est tout pourri. Et il y a des trucs qu'on fait, celui-là en particulier, celui qui pour moi est le gagnant, je l'ai vu un peu en dernier, j'ai fait, ah, ok, je vais imprimer celui-là. Et en fait, il est super bien. Donc c'est ça qui est vachement intéressant, et c'est pour ça que je fais cette série, pour tester à votre place, pour éviter que vous gâchiez du filament, et pour vous proposer des choses à imprimer qui soient utiles et qui soient intéressantes. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire, tous les liens pour me joindre sont dans la description. Bien sûr, laissez un commentaire, et évidemment, tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode de Barbu Expérience spécial J'imprime pour vous. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous.